Jacques Moignot est au ralenti. Alors attention, Jacques Moignot, est-ce qu'il est en train de jouer son premier joker, hein? On va voir un petit peu. Apparemment, il est vraiment au ralenti. Tu sais bien la faute à passer au vert ensemble avec ce numéro 93 DS3. Voilà la descente très impressionnante. Stéphane Jeunet va vraiment très rapide, 44-47. Fallu Poulain, donc la deuxième production de Christophe Martin. Et la deuxième de la guerre en premier de l'art. Alors vous allez, on a perdu le monde. Il se regarde pas les arrêter aussi. Et puis défend. Paul qui se force par terre, il est en durée parce qu'il avait été juste en face de lui, qui fait qu'on a une grosse chicane. Et donc on va dire que Jacques Moignot, toujours, mais au ralenti. Voilà Stéphane Jeunet. En fait, une fois que je suis arrivé au virage et qu'il n'y a plus personne, je me recale sur l'autre. D'accord. Un truc comme ça. À l'avance de Stéphane sur Fabien. Pratiquement 7 secondes, c'est quand même relativement important au bout de tour de ce circuit. Frédéric Guénard qui essaye de revenir en contact derrière la Nougarez, le pilote qui vient de l'aube du côté de 3. Voilà Jacques Moignot. Ça marche, mais c'est pas... Tour après tour, 43-77, je tourne le plus rapide de Jacques Moignot dans un instant. Voilà, devant nous, il se présente. Bon, il y a une poulette, on ne peut pas. Dernier tour parce que Stéphane Jeunet va repasser devant nous. Allez Jacques Moignot, et si les flèches sont là, tu vois, pour le championnat. Voilà le dernier tour pour Stéphane Jeunet. 43-45, c'est le tour le plus rapide. C'est le meilleur à chaque passage. C'est pas du tout là, Christophe Champin. À la lutte ensemble, tous les deux. Et Vazan Nougarez et Frédéric Guénard. Je n'ai plus l'air descendre dans un instant pour recevoir le drapeau à Damier. Voilà l'arrivée pour Stéphane Jeunet qui est vraiment... C'était une formalité, on va dire. Parce que là, il a vraiment mis la tête et les épaules toute la concurrence. Hein. Vas-y, Poulain est vraiment très loin de moi maintenant. Voilà, et oui, 16 secondes. Hein. 16 secondes d'avance sur le second, c'est votre journée. C'est vous dire un petit peu s'il a vraiment fait le forcing. J'ai rien, ou alors faut que je fasse un plan.